Merci. Pour moi, c'est l'occasion privilégiée de saluer officiellement le général Gigalet, alors qu'il transmet le commandement d'un imposant secteur de l'armée canadienne. Je reconnais en lui un officier dédié, que mes fonctions ont permis de rencontrer à plusieurs reprises et dont la carrière suscite toute mon admiration. Les membres du secteur du Québec, de la Force terrestre et de la Force opérationnelle de l'Inter-armée S, nous sommes des gens qui courent dans l'autre direction avec honneur. Nous sommes des gens qui courent dans l'autre direction avec personnalité. Merci. C'est la sixième fois que je retourne ici, dans la province du Québec, pour y servir. Donc, les avantages que je pense que j'ai, c'est une connaissance intime des enjeux ici, dans le secteur du Québec, ou je voudrais dire de la deuxième division du Canada. C'est une équipe que je connais, dans laquelle j'ai énormément confiance, parce que cette relation de confiance-là s'est développée au niveau des années. C'est un mandat qui est extrêmement important à mes yeux. C'est un mandat qui est de supporter notre nation ici à la maison. C'est mon mandat primaire. Donc, c'est là où je veux mettre mes efforts principaux. On va répondre à toutes les demandes et les appels de notre pays, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Mais je pense que l'équipe a fait ses preuves et on est en très bonne position pour répondre justement à ces demandes-là.